partie en ville. Absolument tout le monde met ses cadeaux sous ce grand sapin. Puis, nous les ouvrons tous ensemble. Morphle attend tout le monde. Orphel, qu'est-ce que tu fais ici? Orphel veut cadeau maintenant. Tout pour Orphel. Oh, les cadeaux. Oui, plus de cadeaux pour Orphel. Mais je rêve. Il faut se dépêcher. Morphel, transforme-toi en motoneige. Stop! Allez-y! Stop! Allez-y! Morphel! Morphel! Cadeau! Où est-il passé? Morphel, trop rapide! Bientôt, porte. Oh, j'ai une meilleure idée. Volons ce vélo. Trouvé. Tu es très douée à ce jeu, Mila. Oui, je ne trouve pas Morphel. Tu le vois quelque part? Non. Il se cache vraiment très bien. Morphel! Morphel! Tu peux sortir de ta cachette? Demandons à l'animal magique Glitterpug de nous transformer en Morphel! Waouh! Merci! Ouais! Je vais me transformer en voiture de course pour le trouver rapidement. Si je pouvais voler, alors je pourrais chercher Morphel dans toute la ville! Génial! Je suis un super-héros! Mmh.
Stop! C'est la levée des ponts! On peut le faire! Je vous ordonne de vous arrêter! Hé! Hey! Marcel, transforme-toi en hélicoptère pour survoler le pont! Merci, Mila! Maintenant, on a notre propre hélicoptère! Ouais! Qu'est-ce qui se passe? J'ai une idée! Suis-moi! Mon folle pas hélicoptère de bandit! Oh, vite! Volons ces vélos et fuyons d'ici! Mila? Oui, c'est moi, Morphel. Monte! Maintenant c'est Bandy là où il devrait être. Désolée, Morphel fera ce que Mila dit la prochaine fois. C'est pas grave, car chaque jour est un jour magique avec de super amis magiques. On va te dégommer! Oh non! Ce sont les bandits! Ouais! Et on va répandre cette gelée gluante partout en ville! Non! Ne leur dis pas le plan, imbécile! On doit les arrêter! Morphel, transforme-toi! Pas dans ma ville, Mila et Morphel! Qu'est-ce que tu penses faire? On doit attraper les bandits! Vous devez surtout nettoyer tout ce gluant désordre que vous avez mis. Mais nous... Maintenant. Allez, nettoyons ça vite. Maintenant, empêchons ces bandits de rendre la ville gluante. Vous continuez de rendre la ville gluante? Nettoyez tout ça! Mais nous... Maintenant! Ok, officier Freeze. Oui! Encore nettoyé! Chose qui peut atteindre la bave en hauteur. Morphel, transforme-toi en camion de pompier. Morphel, mort. Oui, on l'a fait, Morphel. Mais maintenant, on doit attraper ces bandits. Allons-y. Ils sont là. Vite, Morphel, asperge-les avec de l'eau. Tu peux le faire, Marcel. Non. Donc, c'était les bandits qui mettaient tout ce bazar depuis le début. Ben oui, c'est ce que j'essayais de vous dire. Désolé, Mila et Morphel. J'ai tiré des conclusions hâtives. Et merci pour le nettoyage de la ville. Maintenant, je dois nettoyer les rues des méchants. C'est pas grave. Au moins, on a attrapé les bandits gluants. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Ah, ce sérum de croissance des cheveux me donnera une magnifique chevelure, Barky. Qu'est-ce qui se passe? Daddy? Daddy poilu. Hein? Ce truc ne marche pas. Oh là là.
Bonjour à tous. Hein? Ah! Un monstre! Oh. Hé, vous! Arrêtez-vous! Oh, un monstre poilu! Pas dans ma ville! Oh! Ce n'est pas un monstre! C'est d'un... Recule, Mila! Cette chose a l'air dangereuse! Ah! Cours! Ah. Stop! Tu ne m'échapperas pas! Bon, attrapons ce pulvérisateur de cheveux, puis trouvons Daddy pour le ramener à la normale au plus vite. Vite, par ici! Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, Monsieur Vanderbus. J'en ai vaporisé sur toute ma tête, mais regardez, je n'ai toujours pas de cheveux. Morphel, je sais comment on peut aider Daddy. Transforme-toi en singe. Faufile-toi là-bas et prends le pulvérisateur. Non, vraiment, je ne comprends pas. Beau travail, Morphel. Pas encore. Ça y est, je te tiens. Oh là là. C'est Daddy. Mila, je suis coincée à l'extérieur du centre des animaux magiques. S'il te plaît, viens me sauver. Nous sommes en route. Morphel, transforme-toi en kangourou. C'est l'heure de rebondir. Oui. Ne bouge plus. Attendez, s'il vous plaît. Ah. Oh non, non, non. Je t'ai eu. Non. Le monstre est trop dangereux. Rapproche la camionnette. Morphel, transforme-toi en grue. Morphel, bien joué, Morphel. Rapproche-moi de Daddy. Encore un peu. Voilà. Non, arrêtez-vous. Laissez mon Daddy partir. Ce n'est pas ton Daddy, c'est un monstre poilu. Ah oui? Oh, merci, Mila et Morphel. Hein? Je ne comprends pas. Il y avait un monstre poilu là il y a une seconde. Ne vous embêtez pas avec ce truc. Ça ne marche pas du tout. Vous voyez? Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Aha! Ah! Ça ressemble vraiment à Animi. Viens, allons lui montrer. C'est notre chance, Yorn. On peut attraper Animi. Une fois qu'Animi aura donné vie à notre animal magique, nous aurons la parfaite créature voleuse de bonbons. Yorn, vas-y. Il est vivant. Allez, va nous voler des bonbons d'Halloween. Animi plus là, allons le chercher. Oh, c'est toi, Morphel. Voler des bonbons, pas dans ma ville. Eh bien, voilà mes menottes extra larges. Un géant Morphel. C'est une sorte de Frankenmorphel. Et il vole les bonbons de tout le monde. Non. Morphel, transforme-toi en loup-garou et sauve Géraldo. Oh, merci Morphel. J'ai cru qu'il allait me manger comme une glace. Frankenmorphel est en train de partir. Wow, Morphel, c'est vraiment un super costume. Mais où est Mila? Tu aurais dû te demander si tu voulais des bonbons. Notre animal magique est si maléfique. Il est encore plus beau que je ne pouvais l'imaginer. Mes bonbons.
Il faut retrouver Animi et annuler le sort jeté à Frankenmorphle avant qu'Halloween ne soit gâché. Oui, joue le jeu, Morphle. Hé, Morphle, est-ce que ça te dirait de goûter à ces délicieux bonbons? Ah, bonbons délicieux. Morphle, transforme-toi en balai et vole autour de Frankenmorphle. Frankenmorphle à la normale. Merci, Animi. Maintenant, vous, les bandits, allez devoir rendre à chacun ses bonbons d'Halloween. Les animaux magiques ne doivent pas seulement obéir à vos ordres, ils doivent vous faire confiance et être vos amis. Ce qui fait de chaque jour un jour magique avec un animal magique. Aujourd'hui, Morphle? Morphle veut s'amuser. Oh! Ah! Oh! Ça a l'air sympa. Je sais. Morphle, oh! Transforme-toi en monstre truck. Monster truck? Passons un monstrueusement bon moment. Qu'est-ce que c'est? Aller. Ne t'inquiète pas, Mila. Nous allons le chercher ensemble. Merci.
aussi, April. Par où commencer? Allons voir tous les endroits qu'il aime. Commençons par... le camion de glace! Les badges de Mila! Oh! Un badge de meilleur ami pour moi! Badge de Morphel pour Mila! Tu n'auras pas mon badge! Il ne nous trouvera pas. Géraldo, as-tu vu Morphel? Oh! Oh non! Morphel a des ennuis. Je dois l'aider. Mais comment aller là-haut? Morphel, transforme-toi en costume de super-héros pour qu'on puisse les arrêter ensemble. Morphel, Morphard! Il faut qu'on aille plus vite! Vous ne passerez pas, bandit! D'accord, voici ton badge. Attends, tu ne l'avais pas fait pour moi. Morphel, as-tu fait ce badge pour moi? Je l'adore. Es-tu triste parce que tu n'as pas eu de badge? Hein? Mila, fais badge pour Morphel. Bien sûr. Tu es non seulement mon meilleur ami, mais tu fais aussi de chaque jour un jour magique. Mila, Morphel, le gardien du zoo a appelé. Il a dit qu'il aurait bien besoin de votre aide au zoo. D'accord, papa. Morphel, transforme-toi en maison volante. Ah, Mila, Morphel, super, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que toi et Morphel pouvez aider à amener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison dans la nature? Bien sûr! Super! On pourra tous voler dans la maison volante de Morphel. Le désert est chaud et sec. C'est la maison parfaite pour un chameau. Morphel, regarde! C'est un dragon! Je crois qu'il veut venir avec nous. Je pense qu'on peut lui trouver une nouvelle maison. Pas vrai, Morphel? Oui! Oh-oh! Le pôle sud est la maison parfaite pour un pingouin. Mais c'est bien trop froid pour un dragon. Ok, allons dans un autre endroit. La forêt tropicale est la maison parfaite pour un singe. Oh oh, mais je pense que la forêt tropicale est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver l'endroit parfait pour un dragon, mais nous n'abandonnerons pas. Volcan, c'est vraiment l'endroit parfait pour un dragon. Ok, dragon, tu sembles très heureux dans ta nouvelle maison. Maintenant, il est temps pour Morphel et moi de rentrer à la maison. Tu es un animal magique. Peu importe où les animaux magiques se trouvent dans le monde, ils ne se sentiront jamais chez eux sans leur compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphel. Mais je sais où on peut te trouver un super compagnon humain. Thank you.
Au centre des animaux magiques, nous vous trouvons un compagnon magique en un rien de temps. Tiens ! Hein ? Bonjour Mila et... tiens, Morphel, je crois que j'ai la grippe et je suis incapable de faire mon travail. Pouvons-nous vous aider, Monsieur Joe, Morphel aide ? Ces véhicules doivent être livrés à leur propriétaire rapidement et j'ai une... j'ai cette liste. Les noms des propriétaires des véhicules sont tachés, mais je pense qu'on peut quand même y arriver. Morphel, transforme-toi en un gros camion rouge. Je pense que le tracteur doit aller à l'officier de police Freeze. Un officier de police a besoin d'un tracteur? Je crois que c'est ce qui est écrit sur la liste. Ok. Mais ça... Je suis désolée, officier de police Freeze, mais nous sommes pressés. Oups, désolée. Je ne vous avais pas vu. Ces enfants. C'est pas possible. Pas si vite. Oh non, je pense que nous avons fait une erreur, Morphel. Transforme-toi aussi en voiture de police. Morphel les attrape. Maintenant, essayons d'amener les véhicules à leurs propriétaires respectifs. Je pense que ce tracteur appartient à... Fireman Bob. Et le camion de glace doit appartenir à Geraldo. Hey, Mila et Morphel, alors comment ça s'est passé? Tout a été livré, Monsieur Joe. Oh, super! La liste vous a été utile? Eh bien... Morphel rebondit plus haut, oui! Bonjour Mila, Morphel, Boba. Est-ce que vous avez vu ma dernière invention? Ça a l'air génial! Qu'est-ce que ça fait? Elle peut agrandir n'importe quoi. Est-ce qu'il peut rendre les bulles de Boba plus grosses? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Vous avez le droit de rester géant,
Toutes les bulles que vous faites peuvent être et seront utilisées contre vous dans un tribunal. Oh non! Les bulles envahissent la ville! Morphel, transforme-toi en super-héros! Morphel, mort! Attention! Maintenant, ne bouge plus! Merci. J'espère que vous ne vous êtes pas donné trop de mal. Pas du tout, papa. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Ah, Morphel, n'est-ce pas génial qu'il n'y ait rien de bizarre au zoo aujourd'hui? Il se passe quelque chose de bizarre dans le zoo. Tigre se prend pour un pingouin. Les singes se prennent pour des tigres. Les pingouins se prennent pour des éléphants. Oh, ces animaux désorientés ont besoin de notre aide. Vite, transforme-toi en tigre. Parfait. Bien, va montrer
montrer à ce tigre confus comment il est censé agir. Morphel, aidez tigre. Transforme-toi en grue et remets cet arbre en place. Reviens, le singe. Oh, je veux dire l'éléphant, hein? Professeur Paola, qu'est-ce qu'il se passe? Mila, Morphle. La girafe a pris mon hypnorayon pour son goûter pendant que j'avais le dos tourné. Tigre, c'est pour ça que tous les animaux sont bizarres aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont d'autres animaux. Morphle, transforme-toi en dragon et récupère l'hypno-rayon. Fais vite! Morphle! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous devons le récupérer avant qu'il ne nous atteigne. Maintenant, aidons les autres animaux. Attention aux girafes affamées la prochaine fois, professeur Paola. Oh non, Morphle, je sais ce qui va te remonter le moral. Mon invention est terminée. J'ai inventé un sérum de jeunesse que je vais tester sur mon assistant. Oh, c'est si mignon. Je ne sais pas m'occuper d'un... d'un bébé. Tu dois l'emmener voir son papa pendant que je prépare un antidote pour la retransformer. Mila? Oui. Boo!
radio. Hein? Regardez cette étoile qui traverse le ciel à toute vitesse. C'est une étoile filante. Jette un œil. Ah! Oh, waouh! Savais-tu que lorsque tu vois une étoile filante, tu dois faire un vœu? Les étoiles filantes réalisent les vœux? Oui! Orphel veut une étoile qui fait des vœux. Trouvons un endroit plus haut d'où nous pourrons mieux voir l'étoile filante. Comme le sommet d'une montagne. Morphelle, transforme-toi en super costume. Orphelle, plus rapide. Orphelle veut l'étoile. Un jetpack sur le super costume. Ah. Orphel prendra un raccourci. Oh, Orphel prend le mauvais chemin. Bien attrapé, Mila. Il a atterri dans mon chapeau. Un requin! Il y a un requin! Oh, oh non! On doit l'aider. Morphelle, transforme-toi en bateau de course pour qu'on puisse vite aller l'aider. Morphelle, Morphelle! Être méchant, Morphelle.
simplement autour d'Orphel. Je voulais te montrer à mon tour ce que l'on ressent. Orphel, désolée. Je suis sûre que tu ne voulais effrayer personne. Orphel veut jouer. Pourquoi ne pas jouer à un jeu tous ensemble? Ouais. On pourrait jouer à cache-cache. Ou au polo dauphin. Marfel et Orphel pourraient se transformer en dauphin et on pourrait les chevaucher. Marfel et Orphel. Ce n'est que moi. Ce n'est pas un requin. C'est papa qui porte son chapeau aileron de requin. Oh, papa. Hey, que diriez-vous d'une course entre papa et les dauphins? Ouais. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Nous avons appris la sécurité incendie à l'école aujourd'hui, Marfel. Bien vu, Morphel. Maintenant, nous sommes prêts si jamais il y a un incendie. Mémé. Morphel, je sais comment on peut éteindre le feu. Monsieur Vanderpuss, vous allez bien? Morphel et moi avons vu de la fumée. J'étais en train d'allumer mon barbecue. Oh, nous sommes désolés, Monsieur Vanderpuss. Vous savez ce qu'on dit? La sécurité d'abord. Oui, et l'appétit en second. Sois attentif au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de notre aide, Morphel. D'accord. Hein? Morphel, je sens de la fumée. Là. Morphel, on va avoir besoin d'un gros camion de pompiers pour combattre cet incendie. D'accord, Mila. Par ici, Morphel. Utilisons ta lance à incendie et éteignons le feu. Oh, Monsieur Vanderpuss, mais que faites-vous ici? On ne peut pas faire un barbecue n'importe où en paix. Oh non. Oups. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis en sécurité. Enfin tranquille, hein? Personne ne va nous déranger ici. Que le barbecue commence! Au feu, non! Ça a l'air d'être un vrai feu cette fois-ci! Mila, Morphel, je suis vraiment contente de vous voir. Barky, que quelqu'un sauve Barky! Morphel, transforme-toi en camion Ben. C'est comme ça qu'on éteindra le feu. Vite, ramasse beaucoup de sable. Ah, excellente idée, Mila. Maintenant, jette-le sur le feu. Oh, beau travail, Mila et Morphel. Merci beaucoup, pompier Stacy. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Morphel, Jordi, on fait un jeu? Ouais. Ouais, trap-trap. Super. Allez, Morphel, faisons le... Morphel, jouez. J'ai une idée. Vous serez l'équipe Orphel et nous l'équipe Morphel. Ah, ouais. Je suis avec un animal magique. Allez, Morphel, faisons de cette journée un jour touché. Orphel, transforme-toi en avion pour qu'on puisse s'enfuir à toute vitesse. Orphel, le cheval volant.
transforme-toi en dragon pour qu'on puisse voler très vite et les rattraper. Morphel, morphe! Touché! Rien de tel qu'un beau costume tout propre, hein, Barky? Mon nouveau costume! Transforme-toi en hélicoptère! Vite! Ça plus rapide! Touché! À toi! Oh, wow! Merci! Morphel, transforme-toi en balle rebondissante et emmène-nous là-bas! Morphel, morphe! Ah! Mon beau costume! C'est pas vrai! Désolé! Morphel, transforme-toi en voiture de course! Balle rebondissante! Oh, s'il te plaît! Oh-oh. On arrive! Touché! Morphel, allonge tes bras et attrape l'équipe Orphel! Ils sont incontrôlables! On a assez joué pour aujourd'hui. Moi aussi. Mon costume était tout. Mais c'est quoi ce bruit? Comme je disais, mon costume était tout. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Morphel peut aider Chroma à tout repeindre dans ses couleurs d'origine.
Eh bien, il semble que vous aviez raison. Je vous en prie, allez-y. Wow! Vous avez déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphle et Chroma font une super équipe tous les deux. Reculez! Qu'est-ce que c'est, Officier Freeze? C'est un laser qui échange les corps. Je dois le mettre en sécurité avant qu'il ne sème le chaos dans ma ville. Oups! Je suis désolé, April. J'ai une moustache! Ils ont échangé leur corps! C'est April! Salut, Morphle! Et voici l'officier Freeze! Bonjour, Morphle! Qu'est-ce que... Quoi? Posez-moi! Je veux toute la glace! Officier Freeze! Aidez-moi! Désolée, je suis April! Vite, Mila! Échange-nous! La batterie est vide! Je dois la recharger pour que je puisse vous échanger! Que personne ne s'inquiète! Je m'en occupe! Posez ce camion de glace immédiatement! Les petites filles ne peuvent pas nous dire ce qu'on doit faire! Pas dans ma ville! Ne soyez pas vilain, vilain bandit! Calme-toi, Freeze! Vite, Morphle! Transforme-toi en camion, Ben! Allez, rattrapons les glaces, Morphle! En avant! Attends, en arrière! Un peu à droite! Un peu plus à gauche! Oui! Repose la camionnette! Allons chercher la glace! Ouais! Stop! Vite, Morphle! Transforme-toi en super-héros! Rattrapons-le! On arrive, Géraldo! Plus vite, Morphle! On y est presque! Merci, Mila et Morphle! C'est volé toute la glace. Pas dans ma ville. Attrapons-les. Attendez, je ne peux pas atteindre les pédales. Je ne sais pas conduire. On va les arrêter. Morphle, transforme-toi en dragon. Morphle, Morpha. Grimpez. Arrête-les, Morphle. Hop, il est rechargé. Je suis à nouveau moi. Voilà qui est mieux. Et vous trois, direction la prison. Merci de m'avoir sauvé, moi et aussi mes glaces. Avec plaisir. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. L'avion ne vole pas bien. Atmo, utilise tes pouvoirs magiques pour faire voler cet avion en papier. Plein de looping. Et si on faisait plus de looping, Morphle? Rendons ce jour magique. Hein? Ok, Morphle, transforme-toi en ballon. Atmo, peux-tu souffler un vent très fort pour que Morphle puisse faire des loopings aussi? Morphle! Morphle cherche Mila! Mila! Morphle! Morphle! Oh papa! C'est de ma faute si Morphle a été emporté par le vent!
tu ne pouvais pas savoir ce qui allait arriver. Hein? Morphle, où es-tu? Morphle! Oh! Oh! Mila! Oh! Morphle! Ce n'est pas assez fort. Morphle ne m'entendra jamais. On doit trouver un autre moyen. J'ai trouvé de la glace. Ce n'est pas le moment de manger. Mais non, papa. Morphle adore les glaces. Il va certainement s'arrêter ici pour en prendre une. Mila! Oh! Aucun signe de Morphle. Plutôt que d'attendre qu'il nous trouve, faisons-lui savoir où nous sommes. Mais comment allons-nous faire? Comme ça. Morphle adore cette musique. Quand il l'entend, il vient chercher une glace immédiatement. Très bon plan, Mila. Mila! Camion de glace, Morphle. Tu m'as manqué. Mila aussi manquait Morphle. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Par ici! Face, par ici! Hey! Allez, allez! Hey! 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 Arrêtez de faire autant de bruit! Barky et moi faisons une sieste! Désolé, Monsieur Vanderboos, nous allons faire moins de bruit. Bien! Oh, alors on ne peut plus jouer? Alors, et si on jouait au roi du silence maintenant? Qu'est-ce que c'est? Nous continuons à jouer, mais nous devons être aussi silencieux que des souris. Ouais! Chut! Désolée. Par ici! Ici, je suis démarquée! Par ici! Oh! Mince! Morphle, transforme-toi en super costume! Allons chercher cette balle! C'était moins une! Ouf! Sortons d'ici, Morphle! À quoi allons-nous jouer maintenant? On peut se faire des passes! Chut! Oups! Ouf! Oh-oh! Morphle, change-toi en camion de pompier! Ouf! Morphle, allez, on rentre! Je pense que nous devrions essayer un autre jeu. Morphle veut tourner! Pas encore! Morphle, transforme-toi en tigre! Morphle! Vite, allons-y! C'est mieux. Je me sens bien après ma petite sieste. Eh, c'était moi une. Je suppose que vous méritez ceci pour avoir été silencieux. Ah! Oh! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Nouveau drone. Cool. C'était incroyable, Jordi. Merci, c'est le meilleur.
jamais eu. Je veux ce drone. Mon drone, il vole tout seul. Venez. Wow, ce truc est difficile à diriger. Un nouveau jour se lève paisiblement. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pour qui tu te prends? Officier Freeze! Comment est-ce qu'on pilote ce truc? Quelqu'un peut m'aider? Pas d'inquiétude, Officier Freeze, nous volons à votre secours! Vite, Morphle, transforme-toi en camion de pompiers! J'arrive, Officier Freeze! Attrapez ma main! Hop! Merci à vous trois! Mais qu'est-ce que c'est que cet engin volant? C'est mon nouveau drone! Mais là, il vole tout seul! Non, il ne vole pas tout seul! En fait, c'est Winston qui le pilote! Regardez! Arrête-toi, stupide drone! Suivons-le! Morphle, transforme-toi en grue. Morphle, Morphle. Maintenant, tracte le bus sur la route. Bien joué, Morphle. Merci, les amis. Ouf, c'était mine. Le drone, suivons-le. Reviens ici. Stop, arrête-toi. Il faut qu'on récupère la télécommande. Et je sais comment faire. Morphle, transforme-toi en hélicoptère. Ouais. Obéis, vilain drone. Reste stable, Morphle. Morphle ici. Merci. Dépêche-toi, Mila. Travail, Mila. Et voilà, Jordi. C'est comme ça qu'on pilote un drone. Bien joué. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. T'es trop mignon, toi. C'est tellement drôle de penser qu'un jour tu seras grand et effrayant. Avec ce zapper qu'on a volé au professeur Paola, on peut transformer ces animaux en géants. Je suis sûre qu'on va passer une super journée au zoo, Morphle. Oui. Mila, Morphle, les bandits transforment tous les animaux en géants. Oh non, on doit récupérer le zapper. Morphle, transforme-toi en super-héros. C'est pas génial, Barky? Donnez-nous les zappers, bandits. Je ne pense pas. Yorn, allez appeler. Nous n'avions pas pensé à ça. On reviendra. Oui. Super. Maintenant, on va zapper tous les animaux. Là, c'est le pingouin.
sommes de retour. Super. Mais... Hein? Oh non! Vous êtes devenu petit. Mais vous êtes encore plus mignon. Je suis Mila, la magnifique, merveilleuse Morphelle. L'incroyable April. Ne vous inquiétez pas, Super Jordi est là. Orphelle est aussi super-héros. Orphelle? Super Orphelle règle tous les problèmes. Ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Je suis d'accord. Morphelle, transforme-toi en super combinaison pour que nous puissions tous garder un œil sur Orphelle. Allons-y! Et voilà, une belle éolienne toute neuve. Super Orphelle à la rescousse! Orphelle, attends, attends! Oh, ce n'est pas censé aller aussi vite! Ne t'inquiète pas, Bob le fermier, on est là! Non! Vite, Morphelle! Il faut attraper l'hélice! Ah! Ouf! On l'a échappé, Belle! On va juste remettre ça à sa place, fermier Bob. Voilà! Oh, vous avez sauvé la ferme! C'est ce que font les super-héros! Nous avons un autre citoyen à sauver. Au revoir, Bob le fermier. Super Orphelle à la rescousse. Oh. Wow. Wow. Orphelle, oh. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ce bus. Ok. Bien, madame. Je vais bien. Merci, Jordi. Appelez-moi Super Jordi. Mon héros. Vous ne m'attraperez pas. Orphelle, stop. Orphelle, meilleur super héros. Orphelle, pas super héros. Non, Morphelle, attends. Toi en ballon géant. Ah, oui. Orphelle tourni. Un vrai super-héros ne doit pas se battre. Un super-héros doit aider les gens. Orphelle et Morphelle vont aider. Oui. Oui. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. 7 8 9 10. Allez, bonne partie de cache-cache. Vous êtes prêts? On arrive. Regarde le dino par terre. Il faudrait qu'on puisse voir toute la ville. J'ai une idée. Morphelle, transforme-toi en ptérodactyle. Nous pourrons voler. Je vois quelque chose. Winston, qu'est-ce que toi et ton oncle faites ici? J'observe les oiseaux. Ah, la voilà. Grâce à cette clé, j'aurai enfin mon propre animal magique. Salut. Vous voulez jouer à cache-cache? Oh, peut-on jouer avec eux, Winston? Je ne veux pas jouer. Au revoir. Nous devons surveiller les bandits et aussi retrouver nos amis. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Morphelle, transforme-toi en brachiosaure. Étire ton cou et fouillons toute la ville. Pour les amis.
De quoi parles-tu? Je n'ai vu aucun bandit. Et la clé est en sécurité. À plus tard, Mila. Hein? Je l'ai enfin! Je l'ai enfin! Je l'ai plus! Attends, mais tu ne joues pas à cache-cache? Jordi, la clé! Morphel, transforme-toi en T-Rex, vite! Oh! Un T-Rex! Un T-Rex? Où ça? Oh! Ah, c'est Morphel! Attends, Winston, je ne savais pas que tu jouais aussi! Je ne joue pas! Daddy, ta clé! Ah, je savais qu'elle serait en sécurité avec toi, Morphel! Winston nous a trouvés! Bandit gagné? J'ai dit que je ne jouais! Attendez, j'ai gagné! J'ai gagné quoi? De rejouer! Encore une journée magique avec un animal magique! Que fait autre bandit? Est-ce que quelqu'un me cherche encore? Monsieur Miroir, pouvez-vous nous montrer ce qui se passe dans le monde des miroirs? Ceci est tout à fait dans mes cordes, Mila. Morphel aime le monde des miroirs. Morphel! Non, Morphel! Remets-le à sa place, vite! C'est Orphel. Dans le monde des miroirs, tout est à l'opposé de ce qui se passe dans notre monde. Et comme Morphel est très amical, j'ai peur qu'Orphel ne veuille faire que de mauvaises choses. Bien vu! Il ne faut pas qu'Orphel se promène dans la ville et sème la pagaille. Viens, Morphel, jouons un peu avec Chroma. Bonjour, Morphel. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, officier police! Génial! Hein? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh. Morphel! Morphel! Tu ne peux pas juste me laisser ici! On dirait que quelqu'un te cherche, Morphel. Te voilà, Morphel. Maintenant, fais-moi redescendre d'ici. Merci, mais je n'apprécie pas ce genre de manigance. Bien sûr, non. Comment ça, non? C'est pourtant toi qui m'as mis sur le toit. Mais Morphel était avec nous à l'intérieur pendant tout ce temps. Non, il m'a mis sur le toit et il en riait. Comme ça. Oh non, ça ressemble à Orphel. Oh, nous devons le trouver. Mais qu'est-ce que tu fais, Morphel? Tu construis quelque chose, hein? Oh! Mais si lui c'est Morphel, c'est qui lui? Orphel! Qui c'est qui gagne? Et qui est le vrai Morphel? On doit s'assurer qu'Orphel ne puisse plus prétendre être Morphel. Chroma, pas Orphel en vert. Orphel vert? J'espère qu'Orphel ne nous refera plus le coup. Ces fleurs sont superbes, Mila. Je pense qu'il faut un peu plus de terre autour des jaunes. Oh non, Morphel, tu tombais partout et tu vas tout salir.
Morphle adore la boue. Tu es un Morphle boueux. Trop boueux. Allez, Morphle, rendons cette journée magique. Et prenons un bain. Ce bain semble si chaud et agréable. Et regarde, je le remplis de mousse. Morphle, va au bain. Allez, Morphle, c'est l'heure du bain. Morphle, au bain. Tiens bon, Morphle. Peut-être qu'il devrait se transformer en boule. Mais il rebondirait. Oh, oui, je sais. Morphle, transforme-toi en pingouin pour que tu puisses plonger dans la piscine. Morphle, Morphle! Je te rattrape, Morphle. Oh! Oh! Morphle glisse! Waouh! Un pingouin qui glisse? Salut! Morphle, je viens te chercher. Il faut que tu t'arrêtes. Tu mets de la boue partout. Attention, monsieur vent debout. Morphle, transforme-toi en une énorme éponge pour absorber l'eau et nous arrêter. Morphle, Morphle. Ma glace. Ouais, de la glace. Oh, fais attention, Morphle. Maintenant, je suis tout mouillé. Burk. De la boue? Je n'aime pas du tout la boue! Rentre chez toi et nettoie toute cette boue! Je suis désolée, monsieur Vent Debout et Barky, ce sera fait! Ok, Morphle, éponge spongieuse, va te mettre dans le bain pour nettoyer tout ça! Eh bien, on a enfin réussi à mettre notre Morphle boueux au bain! Je sais! Maintenant, tu es tout propre, Morphle, et tu peux sortir du bain! L'heure du bain de Morphle, Morphle reste. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Regarde, Morphle, comme ça. Morphle aussi, Morphle aussi. Oh. Ne t'inquiète pas, Morphle, tu vas prendre le coup de main. Mais tu ne seras jamais aussi bon que ce petit gars. Voici Boba, notre nouvel animal magique. Boba adore faire des bulles. Il a tendance à buller de joie à cause de ça. Oh, tu vois? Ça a l'air amusant. Boba, c'est assez haut, là. Je ne peux pas sortir. Morphle, transforme-toi en quelque chose de grand. Le camion à bain. Maintenant, Morphle, sauve Mila. Mila? Qu'est-ce que... à l'aide! Aidez-moi! Morphle, au secours! Oh non! Il y a une voiture qui tombe du ciel! Ouf! Te voilà, Boba. Écoute, tu ne peux pas juste faire des bulles magiques partout. Ça cause beaucoup de problèmes. Papa! Morphle, tu peux éclater ma bulle? Ouf! Merci, Morphle.
joli. Oh! J'étais un peu dans la bulle de savoir si j'allais revoir ma voiture. Eh bien, Boba, la prochaine fois que tu fais des bulles, ne le prends pas si littéralement. Êtes-vous prêt à réaliser trois peintures en un seul jour? C'est parti! Morphel, transforme-toi en pinceau! Morph, morph! Hein? Allez, faisons de l'art! Vous avez dégradé ma grange. Je ne comprends pas. Notre travail était parfait quand nous sommes partis. Attendez une minute. Orphel, as-tu fait de la peinture aujourd'hui? Oui, Orphel peintre. Peux-tu me dire ce que tu as peint? Tableau, voiture, grange, peinture amusante. Orphel, tu as peint des choses que tu ne devais pas toucher. Veux-tu nous aider à tout réparer? Oui! Bien! Morphel et Orphel, transformez-vous en pinceau! Morphel et Orphel, Morphel! Magnifique! Vous avez su capturer ma beauté! Oh! Je sais! Morphel et Orphel, transformez-vous en éléphant! Morphel et Orphel, Morphel! Fantastique! Ma voiture est comme neuve! Il nous faut quelque chose de plus puissant que les éléphants pour ça! Oh, je sais! Morphel et Orphel, transformez-vous en camion de pompiers! Morphel et Orphel, Morphmar! Merveilleux! Vous avez refait une beauté à ma grange! Merci de nous avoir aidés à tout remettre en ordre, Orphel! Orphel, grand-père! Regardez! Allez, les amis, on a encore beaucoup de peinture à faire! As-tu hâte d'aller aider April à réaliser son projet artistique, Chroma? Allons-y! Bonjour, Morphel. Mila, transforme-toi en ours géant effrayant. Morphel n'aime pas faire peur. Ce sera amusant, Morphel. Allez, fais-le. D'accord, Mila. Allez, Morphel, faisons en sorte que cette journée soit espiègle. Je veux dire magique. D'accord, Mila. Après avoir peint avec April, nous pourrons tous manger une glace, Morphel. Morphel? Morphel! Ah! Un ours! Salut, Mila et Morphel! C'est une nouvelle transformation? Oui, oui, c'est ça! Morphel rugit! Hein? Maintenant! En avant, Morphel! Allez,
reflet du monde des miroirs. Lila maléfique! Il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter. Miam! Morphle! Éloigne-toi d'elle! Je suis la vraie Mila! Non! C'est moi! Je sais! Non! Je suis la vraie Mila! Non! C'est moi! Qu'est-ce que c'est? Morphle! Transforme-toi en requin effrayant pour les effrayer! Non, Morphle! Transforme-toi en hélicoptère pour t'envoler! Morphle ne sait pas quoi faire! Ce n'est pas ce que je voulais! Vrai, Mila? Oui, tu sais, j'étais tellement inquiète pour toi! Je vais leur montrer! Mila, la maléfique s'enfuit! Nous devons mettre Monsieur Miroir juste devant elle! Morphle, transforme-toi en hélicoptère! D'accord! Oh! Tu dois rentrer chez toi! Jamais! En sécurité maintenant, Morphle. Morphle et Mila. Vous vous êtes bien amusés à la foire, Mila et Morphle? Oui. Et j'ai vraiment hâte de jouer au goûter avec la nouvelle poupée qu'on a gagnée. Morphle pense que le bébé ne veut pas de thé. Allez, Morphle, rendons ces jours magiques. Animi, tu peux donner vie à notre poupée? Comme ça, elle pourra vraiment participer. Bonjour, Marie la bâtisseuse. Bonjour. J'ai besoin d'un animal magique pour m'aider à déplacer des briques très lourdes. Quelqu'un peut m'aider? Animi pourrait leur donner vie et ils pourraient se déplacer tout seuls. Ce serait génial. Nous revenons bientôt, Mila et Morphle. Les friandises pour animaux magiques ne sont pas de la nourriture pour bébés. Transforme-toi en ballon. Je ne pense pas qu'amener le bébé à la vie était une si bonne idée. Emmenons-le voir Animi pour qu'il le transforme à nouveau en poupée. Laissez Monsieur Vanderbouz et Barky. Morphle, transforme-toi en cerf-volant pour faire descendre le bébé de la voiture. Désolé, Géraldo, on t'aidera à le réparer plus tard. Morphle, transforme-toi en camion à benne pour attraper le bébé. Morphle, mort, mort! J'ai une bonne idée. Berçons le bébé pour qu'il s'endorme. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tu l'as fait, Morphle. Animi, s'il te plaît, peux-tu rendre à notre poupée sa forme normale? Morphle pense que bébé est réveillé. Oh, s'il te plaît, fais vite, Animi. Mila, qu'est-ce qui se passe? Désolée, papa. La prochaine fois, on pourra jouer au goûter sans donner vie aux jouets. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Oui, April. Morphle, transforme-toi en ballon. Oui. J'aimerais pouvoir me transformer en chose amusante aussi. J'ai une super idée.
qui rebondit le plus haut gagne. Quoi? Oh, super! Transforme hélicoptère! Oui, Morphle gagne! Excusez, monsieur Vendebout! Oh, ça sent mauvais! Suivons-les! Essaye d'atterrir, April. C'est... Oh, ouais. Pas facile. Oh non, il sort de la grue. Transforme-toi en ballon. Orphel va bien, mais la grue bouge encore. Ne t'inquiète pas, Marie Bâtisseuse. Je suis là pour... Maintenant, je veux être un robot. Désolée. J'ai une autre idée pour l'attraper. Travaillons ensemble. Sérieusement, les gars, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien! Ouch!
entre. Surprise! Joyeux anniversaire, April! Oh, waouh! Vous avez fait tout ça pour moi? Merci! Et des ballons, mes préférés! Où est passé Morphle? Ouais! Morphle! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique! Bonjour, Mila et Morphle! Bonjour, Tante Augustine! Cadeau pour Tati! Nous l'avons fabriqué avec nos bouteilles recyclées! Oh! C'est absolument magnifique! Oh! Merci! Je sais! Et si je vous offrais du gâteau? Morphle adore les gâteaux! Oh! Mon collier! Il a disparu! Ne t'en fais pas, Tante Augustine! On va le retrouver! Oh! C'est une affaire pour l'inspecteur Mila! Ah ah! Notre premier indice! Oh! Un papier de bonbons! Comment trouver collier? Je sais! Morphle, transforme-toi en chien renifleur! Hop! Suis l'odeur des bonbons! Hop! Bon travail, Morphle! Tu as trouvé un autre bonbon! Qu'y a-t-il, Morphle? Il n'y a plus de bonbons. Il doit y avoir d'autres indices par ici. Ah ah! Notre deuxième indice. Maintenant, on sait qui a pris le collier de Tante Augustine. C'est un lapin? Non, voyons, les bandits. Ça doit valoir beaucoup d'argent. Rendez le point. Collier de Tati. Vite, partons d'ici. Viens me chercher. Hé, revenez ici. Transforme-toi en deltaplane. Ils sont là. Bandit, trop rapide. Morphle, atterris là-bas. Morphle, transforme-toi en araignée. Morphle, prépare-toi à faire une grande toile entre les bâtiments. Maintenant, Morphle. Ouais, on a réussi. Beau travail, inspecteur Mila et Morphle. Vous avez attrapé les voleurs de colliers. Oh, c'est mon collier. Je récupère ceci. Oh, je vous remercie. Si vous aviez évité cette toile d'araignée géante, nous aurions pu vendre ce collier pour beaucoup d'argent. Winston, Morphle et moi avons fait ce collier avec du plastique recyclé. Oh, tu avais dit qu'il était fait en diamant. Oh, c'est peut-être fait en plastique, mais c'est la chose la plus précieuse que je possède, parce que vous deux l'avez fabriqué. Merci. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Et merci encore de t'occuper du centre des animaux magiques quand nous serons partis, Augustine. Non, Morphle va rester ici avec les autres animaux magiques. Salut, Morphle. Tu es prêt à jouer? Morphle ne veut pas que Mila parte. Partir? Mais je viens d'arriver. Daddy a dit Mila partir. Daddy ne ferait pas ça. Allez, j'arrive. Ce sont mes affaires. Daddy et moi allons vraiment déménager. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas laisser ça se produire. La camionnette devrait arriver d'une minute à l'autre. Je sais. Morphle, transforme-toi en camionnette. Dépêche-toi. Bip, bip, bip. Ah, la voilà. Beau travail, Morphle. Ah, vite, remettons le carton à l'intérieur. D'accord, ok, c'est bon. Pourquoi ce carton est à nouveau là?
Oh non! Suivons-le! Mais, Daddy! Allez, viens, en voiture, Mila. Il se fait tard. Et que fais-tu de Morphel? Ne t'inquiète pas, il sera bien ici. Mais, Daddy! Youhou! Louis, je viens te remplacer! Tu es pile à l'heure, nous étions sur le point de partir. Morphel, emmène Tante Augustine loin d'ici pour que Daddy ne puisse pas partir. Augustine? Elle a dû rentrer à l'intérieur. Ok, Mila, on y va. Non! Morphel, transforme-toi en hélicoptère. Ne nous laisse pas partir. Mila, reste avec Morphel. Oh! Hey! Oh! Oh. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe ici, Mila? On ne peut pas abandonner Morphel. Mila, ne t'en va pas. On part seulement pour l'après-midi. Juste l'après-midi? Mais alors on ne va pas déménager? Déménager? Où as-tu trouvé une idée pareille? Morphel t'a entendu remercier Tante Augustine pour reprendre le centre des animaux magiques parce que nous déménagions sans Morphel. Oh, Tante Augustine a simplement proposé de s'occuper du centre pendant que nous allons faire des dons en ville. Oh, c'est pour ça que mes vieux vêtements étaient dans le carton. Morphel, pas rester seul. Nous ne t'abandonnerons jamais, Morphel. Nous sommes une famille. Oui. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Regarde, Marie la bâtisseuse détruit la ville. Mais pourquoi ferait-elle ça, Morphel? Là, pas dans ma ville. Oh, zappe-le avec l'hypnorion, Yorn. Laisse-la démolir ce bâtiment. Détruis le bâtiment. Hein? Transforme-toi en robot géant pour être aussi grand que les bâtiments. Morphel, empêche Marie de détruire la ville, Morphel. Morphel, arrête Marie. Non, Morphel, aide-la à détruire la ville. Ok, bandit. Oh non, Morphel est devenu mauvais. Grâce à cet hypnorayon que nous avons volé à Paola la scientifique, tout le monde dans la ville devra faire ce que nous disons. Donne-nous des glaces gratuites. Glaces gratuites. Papa, les bandits obligent tout le monde à détruire la ville. Comment pouvons-nous les arrêter? J'ai un plan. Nous sommes de brillants bandits. Et tout ça grâce à cet hypnorayon. Papa, attrape les bandits. Hey! Paola, prends l'hypnorayon. Je récupère ça. Vite, déshypnotise Morphel. Oh, Marie. Et l'officier Freeze. Morphel et Marie la bâtisseuse, pouvez-vous s'il vous plaît reconstruire la ville? Ouais, Morphel aime construire. Officier Freeze, arrêtez ces bandits. Pour avoir saccagé la ville, vous deux allez en prison. Pourquoi est-ce que tout le monde fait ce que Mila lui dit de faire? Ouais, tu les as hypnotisés. On n'a pas fait ce que Mila a dit parce qu'elle nous a hypnotisés. On l'a fait parce qu'elle avait un super plan. Hein? Forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas très gentil. Beau travail, tout le monde. Chaque jour est un jour magique avec un animal
Mila, Morphle, Géraldo est au téléphone pour vous. Merci, papa. Salut, Géraldo. Bonjour. Pour vous remercier de toute votre aide, j'ai créé un nouveau parfum de glace. Le mix Mila et Morphle. Oh, elle est tellement bonne que je ne peux pas m'arrêter d'en manger. Et maintenant, il n'en reste presque plus. De la glace. Il faut que vous veniez vite. Avant que je ne finisse tout, je suis sur l'île de la jungle. Morphle, viens aussi. Oh non, c'est Morphle. S'il arrive le premier, il va manger toute la glace spéciale. Transforme-toi en voiture de course super rapide pour attraper Morphle. Morphle, allez Morphle, rendons ce jour magique. Youhou. Attention Morphle. Je viens d'en refaire. Maintenant, il y en a assez pour tout le monde. Encore. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Regarde, il y a un lion qui va venir vivre aux eaux dès aujourd'hui. J'adore les lions. Morphle aime les lions. Merci.
Il pense que le lion est Orphel. Le voilà. Je l'ai eu. Orphel, tu fais peur à tout le monde. Orphel ne fait peur à personne. Morphel, Orphel, en bas! Allez, direction le zoo! Wow! Je vous remercie de l'avoir ramené sain et sauf. Allez, viens, Tiddles. Au revoir, Tiddles. Un jour magique avec un animal magique. Rendons ce jour magique. Morphel, transforme-toi en moi. Maintenant, enfile ça et on pourra faire des farces à papa et à nos amis. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Morphel, être Mila. Oh, ah, c'est toi, Mila. Je ne t'ai pas vu descendre. C'est parce que j'étais encore là-haut. Oh, alors tu dois être Morphel. Salut, Mila. Est-ce que Morphel et toi, vous voulez jouer? Morphel, pas ici. Mais Mila, jouez. Super, allons-y. Salut, Mila. Salut. À quoi on joue, Mila? Tu es la meilleure pour trouver des jeux drôles. Chat. Ouais. Ok, Mila, c'est toi le chat. Morphel n'est pas avec eux. On peut donc leur voler tous leurs jouets. Excellente idée. Hé, hey, c'est à nous. Merci pour le hula hoop. Mila. Hey, c'est pas gentil. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Fais-moi descendre. Il y a deux Mila. Reviens. Écoute, Mila, tu es malade. Tu restes à la maison et tu te reposes. Mila malade? Oui, Morphel. Je vais devoir aller chercher des médicaments en ville, alors j'aimerais que tu veilles sur Mila pendant mon absence. D'accord. Oh, mais je me sens très bien, moi. Descends, mon chien. Redescends. Je me demande ce qui se passe. Mais Tati a dit... Allez, Morphel, rendons cette journée médicale. D'accord. Comment Barky est-il monté là-haut? Il poursuivait un chat. Pouvez-vous l'aider à descendre, Mila et Morphel? Bien sûr. Transforme-toi en... Je pense qu'elle veut dire transforme. Oui.
Transforme-toi en... Chou! En trampoline? Ok. Pas du tout, je voulais dire en ptérodactyle. Pas, monsieur Vanderbus, nous allons ramener Barky. Barky! 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 Le voilà! Oh, une voiture! Il est temps de te transformer! Transforme-toi en. Parfait! Oh, j'allais dire en camion! Tu sais, un camion qui fait vite! D'avoir sauvé Barky, Mila et Morphle. Rentrons à la maison, ma petite boule de poils. Allez, Morphle, allons voir qui a besoin d'aide. Transforme-toi en... Je crois que tu as eu ton lot d'aventures pour aujourd'hui, Mila. Tu as besoin de dormir. Aïe. Chaque jour est un jour magique avec Daddy Ball Magique.